Father, we are grateful for today. Père, nous sommes reconnaissants pour aujourd'hui. We ask for your blessings as we go into your word. Nous demandons ta bénédiction en entrant dans ta parole. We ask the Lord that you speak to us. Nous demandons que tu nous parles. Bless us. Que tu nous bénisses. Lead our hearts. Dirige nos cœurs. Into intimacy with you. Dans l'intimité avec toi. Father, have mercy on me. Et miséricorde de moi. Use me as your vessel. Utilise-moi comme ton outil. In the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. God bless you for being here. Dieu te bénisse pour avoir participé avec nous ici. I'm grateful that my wife is joining me today. Je suis tellement reconnaissant que ma femme est avec moi aujourd'hui. Amen. You are like, she's always here, so why are you grateful today? But I'm grateful she's here. Je suis reconnaissant qu'elle est là aujourd'hui. Hallelujah. Amen. And her birthday is coming, so. Et son anniversaire arrive bientôt. Wow. We'll talk about that later. Isaiah chapter 55. Isaiah 55. Isaiah chapter 55. We are still in our text. Isaiah 55. Nous sommes toujours dans notre texte. Today we'll be talking about one of the obstacles. Aujourd'hui nous allons parler d'un des obstacles that stops us from walking in intimacy with God. Qui nous empêche de marcher en intimité avec Dieu. Hallelujah. Amen. I believe you want to know what that is. Je pense que vous allez vouloir savoir c'est quoi cet obstacle. Hallelujah. Amen. Let's read our text, Isaiah chapter 55. Lisons notre texte Isaïe 55. It says verse 6, seek the Lord while he may be found. Verset 6. Mm-hmm. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Call on him while he is near. Invoquez-le tandis qu'il est près. Let the wicked forsake his way. Que le méchant abandonne sa voie. And the evil man his thoughts. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Let him turn to the Lord. Qu'il retourne à l'Éternel. And he'll have mercy on him. Qui aura pitié de lui. And to our God, for he will freely pardon. À notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. For my thoughts are not your thoughts. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Neither are your ways my ways. Et vos voies ne sont pas mes voies. Declares the Lord. Déclare l'Éternel. All the heavens are, as the heavens are higher than the earth. Autant les cieux sont élevés au-dessous de la terre. So are my ways higher than your ways. Autant mes voies sont élevées au-dessous de vos voies. And my thoughts than your thoughts. Et mes pensées au-dessous de vos pensées. We started to see from last week. Nous avons commencé à voir à partir de la semaine qui. That the ways of God are not our ways. Que les voies de l'Éternel ne sont pas les miens, les nôtres. Hallelujah. Amen. The way of God is different. La voie divine est différente. And we want to go that way. Et nous voulons prendre cette voie. But there's something we have to do. Mais il y a quelque chose que nous devons faire. Matthew chapter 7. Matthieu chapitre 7. Matthew chapter 7. Matthieu chapitre 7. Thank you, Father. Merci, Père. Jesus gave a description of the way of God. Jésus a décrit le chemin divin. And that way is a bit somehow. Et ce chemin est un peu bizarre. Matthew chapter 7 verse 13. Matthieu 7, verset 13. Before he started to talk about not all who say to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God. Avant de commencer à départ, tous qui disent Seigneur, Seigneur vont entrer dans le royaume de Dieu. He described the way that every person who comes to God will have to follow. Il a décrit ce chemin que doit prendre toute personne qui viendra à Dieu. The verse 13. Verset 13. Enter through the narrow gate. Entrez par la porte étroite. For wide is the gate. Car large est la porte. And broad is the road. Et spacieux est le chemin. That leads to destruction. Qui mène à la perdition. Many enter through it. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ajay. Wow. Many enter through that gate. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Many people enter. It means that at that road, there are many people there. Ça veut dire que sur ce chemin, tu vas rencontrer beaucoup de personnes. Wow. Wow. And what about the other one? Et l'autre chemin? What does it say? Qu'est-ce que ça dit? But small is the gate and narrow the road that leads to life.
Mais étroite est la porte, resserré le chemin Small qui is mène the gate. À la vie. Étroite. And narrow the road that leads to life. Et la porte, resserré le chemin And qui mène à la vie. Only a few find it. Only a few. Et il y en a peu qui les trouvent. How many are part of the few? How many Combien are part of the few? Very few people. Peu. Only few people find it. Il n'y a que peu qui retrouvent. Ce chemin. Hallelujah. Amen. So to follow God. Donc pour suivre Dieu. To follow the way of God. Pour prendre le chemin divin. Because he says his ways are not our ways. Puisqu'il a dit que ses voies ne sont pas nos voies. You have to get used to walking on a small narrow road. Tu dois t'habituer à prendre un chemin étroit. Not a road that not many people are on. C'est pas une voie où se trouvent beaucoup de personnes. Hallelujah. Amen. You can't follow God. Tu ne peux pas suivre Dieu. If you want to follow where many people are. Si tu veux prendre le chemin où se trouvent beaucoup de gens. I don't know whether you are getting the issue. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hallelujah. Amen. To follow God. Pour suivre Dieu. And to follow the ways of God. Et pour suivre le chemin de Dieu. You would have to turn away from where many people are following. Tu dois te détourner du chemin où prennent beaucoup de gens sont. Because Jesus gave a description of the road of God. Parce que Jésus a décrit la voie divine. And he says this road is for few people, few. Il dit que sur ce chemin il y a peu de gens. And it is narrow. Et c'est un chemin qui But the interesting thing is that Mais ce qui est intéressant, c'est que it leads to life. Ça mène à la vie. Oh, ow, ow. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Ow, 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 ow. It leads to life. Ce chemin mène à la vie. Whereas the other road, alors que l'autre, that many people are on, où se trouvent beaucoup de personnes, they are chasing and they are going in. Ils sont en train de se battre pour prendre ce chemin. He says it leads to destruction. Il dit que ce chemin mène à la perdition. Today I want to talk to you. Aujourd'hui, je veux vous parler about the desire of looking good. De désir d'apparaître bon à l'extérieur. Looking good in the eyes of men. De paraître bon aux yeux des hommes. The desire of looking good. Ce désir d'apparaître. Wanting to look good. De plaire aux yeux des autres. Wanting men to clap for you. De vouloir l'applause des autres. Wanting men to praise you. De vouloir que les autres te Wanting te the louent. Approval, the likes of men. Vouloir que les autres t'aiment, qu'ils t'approuvent. I want to talk to you about that today. Je veux te parler de ce sujet aujourd'hui. Because according to what Jesus is saying, parce que selon ce que Jésus dit, that wanting men to clap for you and to look good, ce fait de vouloir que les autres t'applaudissent et que tu paraisses bien devant les autres, it doesn't work with God's way. Ça ne marche pas avec la voie divine. It's only few people that are on this road. C'est seulement peu de gens qui sont sur cette voie divine. It is incompatible with the way of God. Ce n'est pas compatible avec la voie divine. Majority does not carry the vote. La majorité ne ne carry pas de vote. Non, porte pas le bulletin, je pense quelque chose. Voilà. La majorité does not carry the vote. La majorité ne gagne pas toujours. Is it not true? According to God. Selon Dieu. But according to people. Mais selon les gens. Majority carries the vote. C'est la majorité qui parle. Wherever many people are going, it means it is the right way. Là où se trouvent beaucoup de gens, ça veut dire que c'est le bon chemin. But for God. Mais pour Dieu. Wherever many people are going. Là où se trouvent beaucoup de gens. It's not the way. C'est pas le chemin. Hallelujah. Amen. Are you following somebody? Est-ce que vous me suivez? So if you are that kind of a person, donc si tu es ce genre de personne, who loves where many people are, qui aime là où se trouvent beaucoup de personnes, maybe all your family is going this way, peut-être que toute ta famille se dirige de ce côté, and you are looking for them to clap for you, et toi aussi tu veux qu'ils t'applaudissent, and to clap for you, tu as bien fait, you will not follow God, toi aussi tu risques de ne pas suivre, you will not follow the ways of God, tu ne vas pas suivre les voies de Dieu, your head has to be very hard, ta tête doit s'endurcir vraiment, hallelujah, amen. I want us to look at two characters today, je veux que nous regardions aujourd'hui Let's deux caractères. Let's do a character test today. Je veux qu'on fasse un test de caractère. Let's look at our brother, our senior brother, Saul. Regardons nos grands frères, Saul. In 1 Samuel. Premier livre de Samuel. 1 Samuel chapter 15. Chapitre 15.
God gave Saul. This is, see, Saul was a very good guy. Saul était un bon type. Saul did not have many sins as maybe David had. Il n'avait pas beaucoup de péchés, peut-être comme David. But there was something about Saul that was so annoying to God. Mais so il annoying. Y avait quelque chose que Saul avait qui vraiment irritait Dieu. That made God so sad. Cette chose a vraiment attristé le cœur de Dieu. He had already had many opportunities with God to prove himself. Il avait déjà eu beaucoup d'opportunités pour se mettre à l'épreuve avec most, Dieu. Most of the opportunities he had, he did something else. Mais avec la plupart de ces opportunités, il a fait autre chose. This was the last one he did that God said is maintenant, okay. Maintenant, c'était la dernière chose qu'il a fait qui a fait que Dieu a dit que c'est bon. God gave him a last something, one last thing to do, only one. Dieu lui a donné une dernière chose à faire. But you see that from the beginning of Saul. Mais tu vois qu'au début. To the last time God spoke to him again. De la voix avec Saul jusqu'à la dernière fois où Dieu lui a parlé. He had the same problem. Il avait le même problème. The same problem. Le même, exactement le même verse problème. Verse 3. Verset 3 de 1 Samuel 15. 1 Samuel chapter 15 verse 3. Now go and attack the Amalekites. You remember the Amalekites were those who attacked the Israelites. Il dit, va maintenant, frappe l'Amalek. C'est les Amalek, c'était les gens qui ont... They were the first people to attack the Israelites when they were leaving Egypt. Oui, les premiers gens qui ont attaqué les peuples d'Israël quand ils quittaient l'Égypte. So God planned that he would destroy all of them. Donc Dieu a mis en tête qu'il allait les détruire tous. They were very wicked. C'était des gens vraiment méchants. When the Israelites were traveling, quand le peuple d'Israël était en voyage, and the older and the young and the old women and the old men and the children could not go very fast, avec les vieux qui n'arrivaient pas à avancer rapidement, the Amalekites would come behind them and take their old ones and their mothers and carry them away and kill them. Et ils venaient derrière les Israélites pour prendre leurs vieux pour aller les tuer. So Moses had to fight against them. Donc Moïse a dû combattre ces pauvres. You remember Moses sent Joshua to fight against them. Moïse a même envoyé Josué d'aller mener un combat contre ces gens. It was a story that Moses was lifting up his hands and the Israelites were winning. C'était l'histoire dans laquelle Moïse levait la main et le peuple d'Israël gagnait. So after they won the fight, God said, I want to eliminate this Amalekite. Donc après avoir gagné ce bataille, Dieu a dit, je veux éliminer ce peuple totalement. And this long promise that God made to Moses is... Et cette promesse qu'il a fait depuis longtemps à Moïse. He's giving this most important job to Saul to go and do. Maintenant, il donne ce boulot important à Paul pour aller exécuter. And so he's telling him. He says, "Now go." Maintenant, il lui dit, va maintenant. Attack the Amalekites. Il dit, frappe Amalek. Totally destroy everything that belongs to them. Et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Do not spare them. Don't spare them. Tu ne l'épargneras point. Put to death men, women, children, infants, cattle, sheep, camels, and donkeys. Everything. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. So Saul summoned the men and mastered them at Telaim. Saul convoqua le peuple et en fit la revue à Telaim. 200,000 foot soldiers. Il y avait 200,000 hommes de pied. Let me fast forward verse 7. Verset 7. Then Saul attacked the Amalekites. Saul bat all the way from Havala to Shur. Depuis Havila jusqu'à Shur. To the east of Egypt. Qui est en face d'Égypte. The verse 8 was his problem. Verset 8, c'est là où se trouve maintenant son problème. He took Agag, king of the Amalekites, alive. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. And all the people he totally destroyed with the sword. Et il dévoua par interdit tout le peuple en le faisant, so, en le passant au fil de l'épée. He took the king, Saul and the army spared Agag. They took the king. Mais ils ont pris le roi. And the best of the sheep. Et les meilleurs brebis. And cattle. Les meilleurs bêtes. And the fat calves. Les meilleures bêtes. And de the la lambs. Seconde portée. Et les agneaux gras. Everything that was good, they took it. Tout ce qu'il y avait de bon. And they totally destroyed everything that was weak. Everything that was weak and despised. They just totally destroyed. Ils ne voulaient pas le dévouer par interdit et ils dévoraient, ils dévorent seulement tout ce qui était méprisable then et chétif. Then the word of the Lord came to Samuel. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens that I've made Saul king. D'avoir établi Saul pour roi. Do you want God to be grieved about you?
Est-ce que tu veux que Dieu se réponde à propos? Do you want God to be grieved that He gave an important work? Est-ce que tu veux que Dieu soit attristé qu'il t'a donné un boulot? Do you want to be grieved that God gave you a good school? Tu veux que Dieu soit attristé qu'il t'a donné une bonne école? Do you want God to be grieved that He gave you the life you have? Est-ce que tu veux qu'il soit attristé parce qu'il t'a donné la vie que tu as? God says, I'm grieved about Saul. Dieu dit que je me réponds d'avoir établi Saul pour roi. Because he has turned away from me and has not carried my instructions. Car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. He has not been loyal to me. Il n'a pas été fidèle. Samuel was troubled. Samuel fut irrité. And cried out to the Lord all that night. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Saul went to war. Saul est parti en combat. He got everything. He succeeded. Il a tout pris. But he brought the king back. Mais il a ramené le roi avec lui. Do you know why? Tu sais pourquoi? Can I tell you why? Est-ce que je peux vous dire pourquoi? I'll tell you why. Let's go. Je vais vous dire. Why he brought the king back? Pourquoi il a ramené le roi? So early in the morning, verse 12, Samuel went to Saul. Donc Samuel se leva de bon matin pour aller au devant de Saul. Saul had gone to Carmel. Il est parti à Carmel. There he has set up a monument in his own honor. Il a établi un hôtel a monument. Oui. Yeah. He has set up a monument, something, a structure in his own name, in his own honor, to bless him, to make him make his name great and make sure that his name is remembered on the earth. So Saul est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument. Oui, il s'en est retourné. And he's gone to Gilgal. He's gone. He has left. He's gone. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. What do you think? I've done this work. I shouldn't put my name down. Il dit, moi j'ai fait cette tâche. Est-ce que je vais pas mettre mon nom pour qu'on sache que c'est moi qui ai fait? I shouldn't put my name down on the earth. Je vais pas mettre mon nom là-bas sur la terre. How many of you did that? How many of you did this? Combien parmi vous ont fait cette chose? How many of you before you left school you wrote I was here Sam? Avant de quitter l'école, tu as écrit sur le mur. How many did that? How many wrote that on your wall? Combien ont écrit sur le mur de l'école? And you're expecting that if you go there today, the wall is still there with your name. Et tu t'attends à ce que tu trouves ton nom même aujourd'hui là-bas sur cette. Some of you even are writing on your cité, no, I was here. Il y en a qui écrivent sur leur porte de la cité, j'étais ici. Yeah, that is what he did. He went to write his name down. C'est ce qu'il a fait. Il est parti écrire son nom là-bas. He built something in his own honor. Il a érigé et il s'est érigé un monument. Yeah, I like so. I know I don't like him, but I like. I don't like him. James, So, but someone said, so someone went verse 13. Someone reached him. Saul said, bless the Lord, bless the Lord. Look how religious they are. Samuel s'est rendu auprès de Paul et Saul lui dit, sois béni de l'Éternel. I've carried out the Lord's instruction. J'ai observé la parole de l'Éternel. But someone said, what then is this bleating of the sheep in my ears? Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? What is this lowing of cattle that I hear? Et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saul answered, the soldiers brought them back from the Amalekites. Saul répondit, ils les ont ramenés de chez les Amalécites. They spared the best of the sheep and the cattle to sacrifice to the Lord. It's to the Lord. Parce que le peuple a épargné le meilleur des brebis et le meilleur bœuf afin de les sacrifier à l'Éternel. But we totally destroyed everybody. We destroyed everything. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Stop! Someone said to Saul. Samuel dit à Saul, let me tell you what the Lord said to me. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saul replied. Et Saul lui dit, Tell me. Parle. Samuel said, although you were once small. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. You were small in your own eyes. Did you not become the head of the tribes of Israel? N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? The Lord anointed you king over Israel. Et l'Éternel. And he sent you on a mission, saying, "Go, completely destroy those wicked people." Et l'Éternel n'a-t-il pas un pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, et de vous pas interdit ces pécheurs, les Amalécites. Make war on them. Tu leur feras la guerre. Until you have wiped them out. Jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Why did you not obey the Lord? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Pourquoi tu t'es
tout jeté sur le bouton et tu as fait ce qui est mal aux yeux Samuel, de l'Éternel. Oh Samuel, but I did what the Lord said. Mais Samuel, j'ai écouté la voix de l'Éternel. I went on a mission. I did what he wanted me je to do. Je suis parti en mission. J'ai fait ce qu'il m'a demandé See, de faire. Samuel, it is the soldiers. They wanted the sheep. Regarde Samuel, c'est pas moi, c'est les soldats qui voulaient les brebis. It's the soldiers. C'est pas moi, c'était les soldats qui voulaient les brebis. They saw one big sheep like that with his back like that. Ils ont vu des brebis qui étaient vraiment énormes. They're like, no, we can't leave this sheep. Ils ont dit non, non, non. Non, non, on peut pas tuer ces genres de choses. Let's take it as a sacrifice. We'll tell Samuel that we're going to sacrifice it to the Lord. Donc prenons ces choses, on va dire à Samuel qu'on va les sacrifier à l'Éternel. Verse 22. Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as obeying the voice of the Lord?" Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? To obey is better than sacrifice. Voici, l'obéissance vaut mieux que le and sacrifice. And to heed is better than the fat of rams. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Rebellion is like the sin of divination, witchcraft. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Stubbornness and arrogance like the evil of idolatry. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. Because you have rejected the word of the Lord, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, God has rejected you as king. Il te rejette aussi comme roi. In all of these things, we can still see the. You see, when you read, you don't understand what Saul has done. What has Saul done? Like dans toutes choses, dans toutes ces choses là, maintenant jusqu'à là, on comprend pas vraiment ce que Saul a fait. Okay, we can see what he has done, but why is he doing what he's doing? We don't really, we can't really. Mais see on voit ce qu'il a fait, mais pourquoi il le fait, on ne sait pas encore. Verset 24. Oh, I love this one. Then Saul said to Samuel. Donc, Saul a dit à Samuel, dit à Samuel. Okay, I've seen. J'ai péché. I violated the Lord's command. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. And your instructions. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. I was afraid of the people. Je craignais le peuple. Wow. I was what? Je craignais le peuple. Afraid of the people. Je craignais le peuple. Which, what fear did he have? Were the people going to kill him? Est-ce que le peuple allait le tuer? Were his soldiers going to kill him? Est-ce que ses propres soldats allaient le tuer? He was afraid that he would not have their applause. Il avait peur qu'il n'allait pas avoir les acclamations des gens. I was afraid of the people, so I gave in to them. J'avais peur. Now I beg you, forgive my sin. Come back with me so that I may worship the Lord. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. He wants him to come back. You see, sometimes you want somebody to be around you. Parfois, tu veux que quelqu'un soit avec toi. So that it looks like you are validated by God. Pour qu'on sache que tu es validé par l'Éternel. And someone said, I'm not going to come with you. Samuel dit, je ne viens pas avec toi. I will not come with you. Je ne viendrai pas avec toi. If you want to go and worship the Lord, go and worship your Lord yourself. Si tu veux adorer l'Éternel, vas-y, va. God has rejected you already. You still want to go and why was it? Why did he want to still worship the Lord? Pourquoi tu veux toujours aller adorer l'Éternel alors qu'il t'a rejeté? Why did he want to worship the Lord? Pourquoi il voulait faire cela? Did he really care about worshiping the Lord? Est-ce qu'il vraiment c'était important pour lui cette adoration? No. Non, c'est pas ça. He has to sacrifice to show the people that God is with him. Il devait faire ce sacrifice pour montrer aux gens que Dieu était avec lui. C'était pour le peuple en fait. Saul. But Samuel said, verse 26, I will not go with you. You have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you as king of Israel. Je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. So he was pleading afin with que tu ne sois plus roi d'Israël. Samuel said, I'll go. They started pulling his cloak. Hey, donc, come et Samuel se retournait pour son aller. Il a saisi Samuel par son manteau. Come with me. Pour qu'il vienne avec lui. You have to go and honor me before the tu people. Tu dois aller m'honorer devant les gens. See what he says, the verse 30. Regarde ce qu'il dit en verset 30. Saul replied. Mais Saul dit encore. I have sinned. J'ai péché. But please
Honor me before the elders of Israel. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Honored before the people. Il voulait être honoré devant le peuple. Let me tell you why he brought the king back. Je veux te dire pourquoi il a ramené le roi Agag. Because in those days, when they go to war and they kill and they succeed. Parce qu'en ce temps-là, quand ils partent en guerre et qu'ils gagnent la guerre, you bring the king back. Tu ramènes le roi. So that you show to everybody in your area pour que tu montres à tout le monde autour de toi you have actually defeated that kingdom. You've brought the king back. Tu montres à tout le monde que tu as vraiment fini avec ce royaume et que tu as même ramené le roi. So normally they put the king in that way and they dress him anyhow. Ils habillent ce roi de n'importe comment. They are pulling him around. Ils le mettent dans les chaînes. And everybody is laughing. Ils se baladent avec lui et tout le monde se moque du roi qui a perdu et maintenant ils applaudissent, ils acclament le roi qui a gagné. God said, kill the guy. Don't bring him. I don't finish him there. Dieu a dit, finis avec ce type, ne le ramène pas. But he thought about how people. Mais il a pensé à comment les gens allaient l'applaudir. Oh, let me bring the king back. Pour les acclamations, il a ramené le roi Agag. So he says, come back. No, come back, come back, come and honor the Lord with me. Come and honor me. Il dit, viens m'honorer en devant dans la présence des anciens. So that I may worship the Lord your God. Pour que je j'adore l'Éternel ton Dieu. Wow. So. Wow. 1 Samuel chapter 10. 1 Samuel chapitre 10. If you love the honor of people. Si tu aimes. If you love the applause of men, l'acclamation des hommes. Some of us have chosen courses, or we are doing careers, or we are doing things because. Il y en a parmi nous qui font les choses, qui ont choisi les filières juste pour les acclamations des hommes. You love the applause of men. Tu aimes les acclamations des hommes. Maybe your friends. Peut-être les acclamations de tes amis. Maybe your family. Ou bien les acclamations de ta famille. Maybe your parents. Ou bien les acclamations de tes parents. Maybe the expectations of your family. Ou bien même les attentes de ta famille. They have an expectation for you. Ils s'attendent à quelque chose de toi. If you don't come out of this, si tu ne sors pas de cette chose, you can't serve God. Tu ne peux pas servir l'Éternel. You can't walk with God. Tu ne peux pas marcher avec l'Éternel. Let's see Paul and Saul. Voyons Saul. At the beginning of his life. Au début de sa vie maintenant. When God anointed him in chapter 10. Quand Dieu l'a oint en chapitre 10. This was his beginning. Regarde comment il a commencé son début. Comment il était. Verse 20. Verset 20. When Samuel brought all the tribes of Israel near, Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. The tribe of Benjamin was chosen. Et la tribu de Benjamin fut désignée. Then he brought forward the tribe of Benjamin. Il fit rapprocher la tribu de Benjamin par clan famille. By clan. Par famille. Matri's clan was chosen. Et la famille de Matri fut désignée. Finally, Saul, son of Kish, was chosen. Puis Saul, fils de Kish, fut désigné. Remember that he had already been anointed already. Rappelle-toi qu'il était déjà un. But when they looked for him, mais quand on le cherchait, he was not found. On le chercha, mais on ne le trouva point. So they inquired of the Lord. On consulta de nouveau. Wait, l'Éternel. We can't find the guy. Y a-t-il encore un homme qui the soit venu? The guy we anointed, he's in this clan, but we can't find him. Y a-t-il encore un homme? Where is he? Il est où cet homme? What did the Lord say? L'Éternel dit. Has the man come here yet? The Lord said, yes, he's hidden himself among the baggage. Voici, il est caché vers les bagages. Saul has been anointed by God. Oint de l'Éternel. To run the country. Pour diriger le pays. To lead the people of God. Pour diriger le peuple de Dieu. But here he finds himself hidden in the garbage. Mais il était caché dans les bagages. Do you know why? Pourquoi? Saul was afraid of what the people would say. Parce qu'il avait peur de ce qu'allaient dire afraid. Les gens. He was afraid. He was wondering whether they would really accept him or clap for him. Il se demandait s'il allait vraiment l'accepter et l'applaudir. Hey, sometimes God is calling you. Parfois Dieu t'appelle.
God is asking you to do something for him. Dieu te demande de faire quelque chose pour lui. But you are wondering what people will say. Mais tu te demandes ce que va dire les gens. I remember the first time when I was asked to preach. Je me rappelle la première fois qu'on m'a demandé de prêcher. It was a small gathering. C'était dans une petite réunion. I think for the first 5-10 minutes, I didn't know what I was saying. Pour les premiers 10 minutes, je sais pas ce que je disais en fait. I was afraid of the people. J'avais peur, je craignais le peuple. Hey, look at their faces. Regarde leur visage. Some of them were sitting with cap like this. Il y en a qui portaient. Some of them were looking very religious, very holy. Très saint. Ah, it was very wild. C'était vraiment chaud sur moi. Those who asked me to preach came to stand there, looking at me. Les gens qui m'ont demandé de venir prêcher, ils étaient là en train de me regarder, fixer les yeux sur moi. They just started praying, God help him. Ils ont commencé à prier, Dieu aide ce type. You cannot serve God. Tu ne peux pas servir Dieu. Hallelujah. Amen. I remember when I was getting married. Je me rappelle quand je me mariais. And it was new. It was somehow. It was new. C'était quelque chose de une nouvelle chose. Ah, who has come to this country and they are going to marry? Qui est venu dans ce pays et qui va se marier? Anglophones, you just do your school and you go away. Les anglophones, vous partez à l'école seulement et vous finissez et vous rentrez chez vous. Hallelujah. Amen. So, I went to one of the houses to invite them or something. Donc je suis allé dans une des maisons pour les inviter. And when I was in the house, I entered the house and like, are you the guy getting married? Donc en entrant dans la maison, je dis, est-ce que c'est toi qui vas te marier? Why have you decided to tie yourself to so fast? Pourquoi tu as pris la décision de te lier si tôt? Hallelujah. Amen. Why have you decided to hold yourself so fast? Pourquoi tu as décidé de te mettre si tôt dans un... Who does that? Qui fait ce genre de choses? I mean, you have a girlfriend. You just have a girlfriend. Tu as une copine. Tu as une copine. Why do you marry? Pourquoi épouser? Oh, you are too young, brother. Ah, tu es trop petit, mon frère. Why do you do such a thing? Pourquoi tu fais une telle chose? When God says you should marry. Quand Dieu te dit de te marier. When you know that you have to marry. Quand tu sais que tu dois te marier. You can look at people. Tu peux regarder aux gens, and les not gens. Do what God wants you to do. Et si tu regardes vers les gens, tu risques de ne pas faire ce que Dieu t'a demandé. But everybody is sleeping with their girlfriend. Mais chacun couche avec sa copine. Nobody has found a problem with that one. Mais personne n'a trouvé problème avec cette histoire. But once you just want to marry now. Mais maintenant tu veux te marier. They're asking you questions. Il commence à te poser des questions. 3-1. Is it nice? Est-ce que c'est une bonne chose? Ah! Hallelujah. Amen. Saul was afraid. Saul a eu peur. It will be hard to walk with God. Ça sera difficile de marcher avec Dieu. If you don't overcome this. Si tu ne surmontes pas ce sujet. 2 Samuel chapter 6. Let's see another person. Deuxième Samuel chapitre 6 maintenant. And how this person behaved. Voyons une autre personne et comment cette personne wow, s'est comportée. Wow, I like this guy. J'aime ce type. 2 Samuel chapter 6 verse 12. Now King David was told. Today we are reading. Aujourd'hui on lit. King David was told, the Lord has blessed the household of Obed-Edom. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom. I don't know whether you remember the story. The ark of the Lord was captured by the Philistines. L'ark de l'Éternel, elle était prise par les Philistins. And the ark began to cause trouble among the Philistines. Ça a commencé à amener des problèmes parmi ces gens. So they began to beg the Israelites to come for the ark. Donc ils ont commencé à demander au peuple d'Israël de venir prendre. And you remember that one person, they took the ark as they were coming. Ils ont pris le One of them, Uzzah, tried to touch the ark. Et Uzzah a essayé de toucher. Because the thing on top was trying to fall, that he tried to. Parce que c'est comme si ça allait tomber. Il a essayé d'empêcher cette chute. And he died. Et il est mort. So they didn't bring the ark again. Donc ils n'ont plus ramené l'arche. In somebody's house, Obed. Ils ont gardé ça dans la maison d'Obed. And David heard that, hey, Obed's house is blessed, though.
Donc on vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui. So he decided, let me go for the ark. I also need my house to be blessed. Donc David a dit, moi aussi. How many need their houses to be blessed? How many want their houses to also be blessed? Combien veulent cette bénédiction? Yeah, I'm telling you. Yeah, what has my house to be blessed? So he said, let's go for the ark. Let's bring the ark. Donc il a dit, prenons l'arche. So he went to Obed's household and took the ark. Donc il est parti chez Obed et il a because pris l'arche. Because of what has happened already to the other when they were bringing the ark. Donc à cause de ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils ont essayé de ramener l'arche. David decided that. David a pris la décision. Each time they walk small, they would sacrifice so that anything they've done that God is not happy. He will leave them alone. David a pris la décision qu'ils vont avancer un peu puis sacrifier quelque chose pour apaiser Dieu. David was doing something else from his heart. Donc David faisait autre chose de son cœur. He was happy to see the ark coming home. Il était content de voir le retour de l'arche. So the Bible says, so David went down. David est descendu and brought up the ark of God from the house of Obed, il the city of David. Il montait l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed à Edom. With dancing, he came with rejoicing. Jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. When those who were carrying the ark of the Lord had taken six steps, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait six pas, he sacrificed a bull, on sacrifia un bœuf and a fattened calf, et un veau gras. David, wearing a linen ephod, danced David before the Lord. Dansait de toute sa force devant l'Éternel. Danced before the Lord with all his might. Il dansait de toute sa force devant l'Éternel. Wow. While he and the entire house of Israel brought up the ark of the Lord with shouts and the sound of trumpets. Alors que lui et la maison d'Israël faisaient monter l'arche avec le son de réjouissance. Of the Lord was entering the city of David. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Michal, daughter of Saul. Michal, fille de Saul. Watched from a window. Regardait par la fenêtre. And when she saw David, you remember Michal? You know who she was, no? Est-ce que vous vous rappelez the de the daughter Michal? Of who? C'était la of fille Saul. She has learned Saul. Something from his from the father. She has Elle learned something. Elle a appris quelque chose de Saul, son père. I'm telling you. Et je vous dis. Tell somebody, learn the right thing, no? Learn the right thing. Learn the right thing. Apprends les bonnes choses. She has learned something from the father Saul. Elle a appris quelque chose de Saul, son père. Respectability and you know we respect ourselves and le respect, comment on se comporte. We like to have honor before people on aime être you know. Honoré devant les gens. Yeah, that's how she was raised. That was c'est the comme father. Ça qu'on l'a élevée en fait. Unfortunately, malheureusement pour elle, David had to marry her. David a dû l'épouser malheureusement pour lui. Forgive God, forgive. Pardon Dieu. Michal, daughter of Saul, watched from a window. Michal, fille de Saul, and when she saw King David fenêtre, leaping and dancing before the Lord, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, she despised him in her heart. Elle le méprisa May dans you son not coeur. Marry a wife like that in the name of Jesus. Que tu n'épouses point une May you not qui marry a wife who likes just looks and how she looks and que tu n'épouses pas une femme. Je prie que tu n'épouses pas une femme qui aime seulement comment. I don't like this car. This car does not gain the respect of my friends. J'aime pas cette voiture. Cette voiture n'amène pas les acclamations de mes amis. This car, it doesn't. Cette voiture. When I sit in it, I feel things just tricking. To kill me. Quand je m'assois dans cette voiture, je vois, je sens les choses qui me piquent. Michal. C'est Michal. Hey, she despised him in her heart. Elle méprisa David they dans son They brought the coeur. Ark of the Lord and set it in a place inside the tent. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente. And David sacrificed burnt offerings and fellowship offerings before the Lord. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. After he had finished sacrificing the burnt offering and fellowship offering, he blessed the people in the name of the Lord Almighty. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, then he gave a loaf au nom de l'Éternel des armées. He gave a loaf of bread and a cake of dates and cake of raisins to each person in the whole crowd. Wow, David. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une Both portion de men and women, everybody had cake et un gâteau de raisin. And bread. Wow.
And all the people went home with a cake and the blessing of the Lord and all that. Et les gens sont retournés avec. David also went home. Et lui aussi, il s'est retourné. To bless his house. He has come with blessing. Can you imagine? The guy has come carrying blessing. Ils sont retournés pour bénir sa maison. About to bless his household. Il voulait bénir sa maison. Michal came out to meet Saul, to meet David. Michal, fils de Saul, sortit à sa rencontre. How? How can the king of Israel has distinguished himself today? How? Elle dit, quel honneur. She's using a sarcastic language. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël d'être découvert aux yeux de servants. How distinguished are you? How? Quel honneur. Disrobing in the sight of slave girls, d'être of his servants, as frugal fellow people will be doing. Comme se découvrir un homme de rien. Some of us come to church and we are very, very, very. Il y a parmi nous qui vient à l'église. Very distinguished guest. Qui vient distinguished. À l'église comme les. Distinguished. Comme les gens distingués. I'm a distinguished guest, an important part. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de distingué. Distinguished guest. Distingué. Praising the Lord. Oh, do you understand? You are watching. On est en train d'adorer. Toi, tu es juste là en train de regarder. What are they jumping for? Mais pourquoi ils sont ces gens-là? Distinguished. Distingué. Respectable. Respectable. Honorable. Honorable. Honorable chairman. Honorable chairman has entered the church. Please stop dancing. Stop dancing. Honorable chairman has come. Arrêtez de danser. L'honorable est rentré. How can you be doing such a thing? Comment tu as pu faire telle chose? Listen to verse 21. Mais écoutez David en David verset 21. Said to Michal, David répondit à Michal. It was before the Lord. C'est devant l'Éternel. Hey, is there something wrong with you? It was before the Lord. C'est devant l'Éternel. I mean, do you think I was dancing? So. Tu pensais que je dansais pourquoi? Quelle raison? Michal is looking at the slave girls. Michal regardait les servantes. David is dancing. And he's David also dansait, looking at the ark. Et lui, il regardait l'arche. He is looking at God. Il regardait l'Éternel. Michal is concerned about what the others are saying about David. Et Michal, son problème, c'est ce que les gens disaient à propos de David. David said, "It was before the Lord." Et David a dit, c'était devant l'Éternel. Who chose me? Who chose me? He chose me. Qui m'a choisi? Rather than your father. À la place de préférence à ton père. Hey, David, tu calm down some more now. Hey? Et David, toi aussi, calm down. Calm down some more. He chose me. Il rather than your father. He m'a choisi. À ton père. Is there anybody God has chosen here? Is there anybody God has chosen? Que Dieu a choisi has God ici? Chosen you? Dieu t'a-t-il choisi? He chose me more than rather than your father. Il m'a choisi de préférence à ton père. Or anyone from your house, anyone from you, your house, et you, your house, toute you. Sa maison. Anyone from your house, he didn't choose anyone from your house. Il n'a pris personne de sa maison. Toi, qui parles? What do you mean? Donc, de quoi tu parles maintenant? Do you see David's mind? Voici la pensée de David. Oh, the house of Saul. La maison de Saul. I will celebrate before the Lord. In fact, I will even become even more undignified. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. I will even become more on what? Undignified. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. I will be humiliated even more. Et je vais m'abaisser à mes propres yeux. In my own eyes, in my own eyes. À mes propres yeux. But these slave girls that you are talking about. Mais ces servantes, I will be held in honor. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Have you seen these two examples? Est-ce que vous avez vu ces deux exemples? The house of
la maison de Saul, who cared so much, qui ont gardé tellement de choses, having their daughter also following the same thing, et qui ont eu la fille de Saul, qui ont suivi la même chose, David, et de l'autre côté la maison de David. Which house will you be part of? Which house? Tu vas faire part Please de tell quelle me, maison? How many will be part of the house of David? Combien how many will be part of the house of David? De la maison de How de many David? Are in their part in the house of Saul? Those of you who are not raising up your hand, which where are you? Ceux qui ne lèvent pas leur main, ils appartiennent à quelle maison? The house of Saul. La maison de Saul. They cared so much about what people will say about them. Les dires des gens étaient tellement importants pour ces gens de la maison de Saul. David said no. David a dit non. Let me even be more undignified. Que j'apparaisse même plus vil que ça. How many can have that? Combien peuvent How many can have this mindset? Combien peuvent avoir Let cette me pensée? Even be more undignified. Que je paraisse encore plus In your eyes. Oh. Can you imagine how God was also standing on his feet and dancing with David? Mais imaginez comment Dieu était même debout en train de danser avec David. Imaginez-vous cela. He was playing and playing. They were playing and sounding their trumpets. Avec le son de trompette, avec tout ce qu'il jouait. At the point, I felt God was even stamping his feet. Je sens qu'à certain moment, Dieu a commencé à battre ses pieds. Yeah. When they Paul and Silas went into prison. Quand Paul et Silas étaient partis en prison. And as they were there, they et began to sing. Là, ils ont commencé à chanter. Ah, they began to sing. Ils ont commencé à chanter. They were so much singing. Tellement ils chantaient. And everybody in the prison also started singing et with them. Et tous les gens qui étaient dans la prison ont commencé I à chanter. I don't know avec the voice of Paul. I don't know, but he's a preacher. Preachers don't have good voices, I'm telling you. Paul était quelqu'un qui prêche. Ils n'ont pas en général de bonnes voix pour chanter. We know ourselves. On se connaît. Yeah. And Silas also, I don't know which part he used to sing. Et Silas, je sais pas quel. They were all in the prison as they were all singing. Ils étaient ensemble dans prison. Throughout the whole night, they were just singing. En train de chanter toute la nuit. And Bible says that. Et la Bible a dit God que God began to stamp his feet also. Uh-huh. Dieu aussi les a rejoints. And God's stamping of his feet came as earthquake. Et c'est revenu comme le tremblement de terre. And all their prison bars in their prison, whatever chains were released. Et toutes les chaînes étaient brisées à cause de leur chant. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You cannot serve God. Tu ne peux point servir You Dieu. Cannot follow God. Tu ne peux point suivre If Dieu. If you care so much. Si tu attaches beaucoup d'importance. About how you look in the eyes of men. À comment tu vas apparaître devant les gens, à ton apparence devant les hommes. Undignified. Sans dignité. Some of you, if you ask to come and speak here in front of you, il y en a parmi vous. Si on te demande maintenant de venir parler devant, they are so concerned how you look. C'est vrai. Lead the song. Mais you won't even open your mouth. Dirige la chanson. Tu vas même pas ouvrir ta bouche. So that somebody will see your teeth. Pour qu'on voit pas tes dents. Father, forgive us. Père, pardonne-nous. We care too much. On attache trop d'importance. The way of God La voie de Dieu is narrow. Est vraiment étroite. Only small, few people. Il n'y a que peu de gens qui retrouvent. In fact, you might be the only one on tu that road. Tu risques même de te trouver seul In your sur whole ce chemin. Family, you might be the only one who Dans thinks this way. Dans toute ta famille, tu risques d'être la seule personne avec ces genres de pensée. Hallelujah. Amen. You must be ready. Tu dois t'apprêter à cela. You must be strong. Tu dois être fort. To follow God. Suivre Dieu. Let me give you a few effects. Je vais te donner quelques effets. Effects of having this mindset. Des effets de ce genre de pensée. The first one, Proverbs chapter 20, 29. Premier effet se trouve en Proverbe. Proverbs 29. 29. Proverbs 29, verse 25. Proverbe 29, verset 25. Oh, thank you, Father. Merci, Père. Proverbs 29, verse 25. Proverbe 29, 25. The fear of man La crainte des hommes will prove to be a snare. Tend un piège. The fear of man. La crainte des the hommes. The fear of getting their applause or not getting their applause. La crainte d'obtenir et de ne pas obtenir the leurs acclamations. The fear of getting their approval or not getting their approval. La crainte d'obtenir et de ne pas obtenir will trap you. It is a trap.
ça devient un piège pour toi. Hallelujah. Amen. The first thing I want you to know, la première chose que je voudrais bien que vous notiez, is that your life can be trapped by this mentality. Ta vie peut être piégée par ce genre de mentalité. Yeah, trapped, piégée somehow. Your life can be trapped. Hallelujah. Amen. The next thing I want you to know, la prochaine chose que je voudrais Galatians chapter vous noter, 1 verse 10. C'est en Galates chapitre 1 verset 10. Galatians chapter 1 verse 10. Galates 1 verset 10. Am I trying to win approval of man? Paul is speaking here. Or of God? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Am I trying to please man? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? If I were trying to please men, si je plaisais encore aux hommes, I will not be a servant of Christ. Je ne serai pas serviteur de Christ. You cannot be a servant of Christ. Tu ne peux pas être serviteur if de Christ. If you want to please men, si tu cherches à plaire if aux you hommes, want to please your parents, si tu cherches à plaire à tes parents, if you want to please your friends, si tu cherches à plaire à tes amis, hallelujah, amen. You can't serve God. Tu ne peux point servir Dieu. You can't be a servant of tu God. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Likes. Tu aimes les likes. J'aime. That's why you put all those photos there. C'est pour ça que tu mets tellement de photos. You wake up in the morning. Tu te réveilles le matin. You take your bath. Tu te douches. You take your time. Tu prends ton temps. Do your maquillage. À te maquiller. You take a photo. Puis tu prends un selfie. And you put it on. Et tu mets ça sur social media. And each time you are checking the likes. Et tu cherches combien de likes j'ai eu. You will not be a servant of God. Tu ne seras pas serviteur de Dieu. Non. You can't serve God. Tu ne peux point servir Dieu comme ça. You can't follow God. Tu ne pourras point suivre Dieu comme ça. Matthew chapter 6. Matthieu chapitre 6. The next thing that could happen to you. Matthew chapter 6. La prochaine chose qui peut arriver avec ce comportement. Be careful, verse 1. Verset 1, Matthieu chapitre 6. Be careful not to do your acts of righteousness before men. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. To be seen by them. Pour en être vu. If you do, you will have no reward autrement, from your father. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre père. You will have no. Vous n'aurez point reward. De récompense. No reward. Point zero. De récompense. No reward. Vous n'aurez point de récompense. Hallelujah. Amen. When it's time for prayer. Quand c'est l'heure de prier. We are praying. Nous prions. We are praying. Nous prions. I knew a certain gentleman. Je connaissais un type. When it's time for prayer. Quand c'est l'heure de prier. Oh, Bishop, say, my God. Merci. When he starts to pray, nobody will hear. You quand only hear his prayer. Quand il commence à prier, personne, only his prayer. Personne ne peut entendre autre chose que sa prière. Hey! Go and watch that person praying in his room. Quand tu vois cette personne qui prie dans sa chambre. Do you think he shouts like that? Tu penses qu'il va crier comme ça dans sa chambre? Hallelujah. Amen. He says you will not get any reward. Tu n'auras point de récompense auprès de ton père. How many things do we do just because of men? Combien de choses nous faisons juste pour les acclamations des hommes? Just for the likes of men. Juste pour les likes des God hommes. God says that he has no reward for you. Dieu dit que tu n'auras pas de récompense. If you come to the choir and you sing. Si tu viens à la chorale pour chanter. Just so that men can know that you have a voice. Pour que les gens sachent que tu as une belle voix. God says that is your reward. You have gotten Dieu it. Dieu dit que tu as déjà obtenu your ta récompense. Your reward is that men knew that you have a voice. That's ta all. Ta récompense c'est que les gens savaient que tu avais une belle voix et c'est tout. Ça finit là-bas. You have no reward. Tu zero. N'as pas de récompense de sa part. Zero, zero, zero. Zéro, c'est ce que tu as de sa part. The verse 2. Verset 2. So when you give to the needy. Donc lorsque
lorsque tu fais le monde. Do not announce it with trumpets. Ne sonne pas de la trompette devant toi. As the hypocrites, the Pharisees, as comme they do. Font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. To be honored by men. Afin d'être glorifié par les hommes. I tell you the truth. Je vous le dis en vérité. They have received their reward in full. They receive their reward in full. Ils reçoivent leur récompense. Can you see how much we can go? How far we can go? Vous voyez jusque là où on peut arriver. And you get to heaven and you have nothing. God will not bless you here. Seulement pour aller au ciel et te trouver vide. Dieu ne va même pas te bénir ici ni dans le ciel. Oh Father, have mercy on us. Père, help us, Lord. Aide-nous, Seigneur. Hallelujah. Amen. Verse 3. Verset 3. But when you give to the needy, mais quand tu fais le monde, do not let your hand know what your right hand is doing. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. So that your giving may be in secret. Afin que ton monde se fasse en secret. We need to have more secret times with God. Nous devons avoir plus de temps secret avec Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It's good for us to come together like this. C'est bien de nous rassembler comme ça. Hein? But our secret times. Mais notre temps dans le passé en secret. If all the Bible you have read. Si toute la Bible que tu as lu, the whole week is what we just read. C'est ce qu'on a lu ici aujourd'hui. I think you have a problem. Je pense que là tu as un problème. Hallelujah. Amen. Your secret life with God. Ta vie secrète avec Dieu. Has to be more. Doit être plus. Why? Pourquoi? It says for God who sees in secret. Il dit qu'à Dieu qui voit en secret. What is done in the secret? Ce qui est fait en secret. Will reward you. He will reward you. Te récompensera. If you are like that, you can't have private times. Si tu es ce genre de personne, tu peux pas avoir des moments privés avec Dieu. You can't have private. You don't consider what is inside more important than tu what is outside. Tu ne considères pas ce qui est dedans plus important que ce qui est dehors. When you marry, what you live with your wife and your husband is more important than what you put quand outside. Quand tu te maries, c'est que ta vie intime avec ton époux ou bien ton épouse est plus important que ce que tu montres aux autres. How you serve your husband, not just you wait when the visitors come, then you bring out the nice plates. Comment tu sers ton mari? Tu n'attends pas que les visiteurs viennent pour faire sortir les belles assiettes. Your husband will wonder, hey, so there are places like this in this house? Et ton mari te demande, ah, donc il y a des assiettes comme ça dans cette maison. Did we buy them when they were coming? Est-ce que nous avons acheté ces assiettes? Ils ont acheté où depuis? They were here. Ah, j'étais là. Oui. Our private lives has to be more than the outside. Notre vie privée doit plus important que notre vie. You are called a hypocrite externe. If your private life is small, more than what you show. Tu es appelé hypocrite si ta vie privée est plus petite que ta vie externe. It is only when you come out then you start. C'est seulement quand tu es sous que tu commences. This is my wife. Oh. Ah, c'est ma femme. Yeah. Oui, oui. We are in love. On est amoureux. As soon as you go home, non. Et quand tu arrives à la maison. Back to normal. On retourne à la normale. When people come around, oh, et quand des gens viennent, my wife, ma femme, yeah, come around, viens. You are hypocrite. Oui, tu deviens hypocrite. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Make sure. If you write it down, make sure. Assure-toi that your inner life, que ta vie privée, is much more. Et plus. Is much more. Your inner life, ta vie privée, is richer. Et beaucoup plus riche. Than your outer life, que ta vie sociale. Make sure. Assure-toi. As you make sure, en faisant cela, that what I know should be more than what I preach. Hein, tu t'assures que ce que tu connais est plus en profondeur que ce que tu prêches même. Yeah. I should be sure. Mm-hmm. Secret life. Ta vie privée. Secret life. Ta vie secrète. Prayer life. Ta vie de prière. You don't wait till you come to church and start showing your muscles of prayer. Tu n'attends pas de venir à l'église pour venir montrer tes muscles de prière. No.
You are a singer, you don't sing to God in private. Tu es un chanteur, tu ne chantes pas à Dieu. Tu es chanteur, tu ne chantes pas à Dieu. You only sing when you are in church. Tu chantes seulement quand tu es à l'église. You don't sing if you're a singer, you don't sing to your family, you don't sing. Tu ne chantes pas avec ta famille, tu ne chantes pas ailleurs. You just only in public. C'est seulement en public que tu chantes. Father, help us. Père, aide-nous. John chapter 5. Jean chapitre 5. I was shocked to see this. John chapter 5, verse 44. J'étais vraiment choqué de voir ceci. Jean 5, verset 44. Verse 41. Let me start from verse 41. Commençons au verset 41. I do not accept praise from men. Je ne tire pas ma gloire des hommes. But I know you. Mais je sais que... I know that you do not believe, you do not have the love of God in your heart. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. I have come in my Father's name. Je suis venu au nom de mon Père. And you do not accept me. Et vous ne me recevez pas. But if someone comes in his own name, you Mais accept si him. Si un autre vient en son propre nom, vous How le recevrez. Can you believe Comment pouvez-vous croire? If you accept praise from one another. Vous qui tirez gloire les uns des autres. You can't believe God. You can't believe God. Et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. How can you believe if you accept praise from one another, yet make no effort to obtain the praise that comes from the only God? Make no effort to obtain the praise that comes from the only God. Vous qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Brothers and sisters. Bien-aimés. I would like to bring this to you. J'aimerais bien vous présenter cela. I would want you to consider very carefully. J'aimerais bien que vous considériez. Where is your life now? Où se trouve votre vie maintenant? Why are you doing what you are doing? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Are you caught in this snare? Est-ce que vous êtes pris dans ce piège? Maybe by what you have always thought you wanted. Peut-être par les pensées que tu avais auparavant de ce que tu Maybe voulais. Maybe by the things your siblings have placed on Ou you. Ou bien par les choses, les fardeaux que tes frères et tes sœurs ont posé sur toi. The expectations of your society. Les attentes de ta société. The expectations of your parents. Les attentes de tes parents. And you are trying to win their applause. Et tu essaies de gagner leur acclamation. You have to make a hard decision today. Tu dois prendre une décision difficile aujourd'hui. In the name of Jesus. Amen. Let me finish with these two verses. Je vais terminer avec ces deux derniers versets. You can stand with me if you want. Tu peux te mettre debout avec moi si tu veux. Thank you, Father. Merci, Père. Hebrews chapter 12, verse 1. Hébreux 12, chapitre 1. I want us to pray. Je voudrais qu'on prie. I want us to pray. Je voudrais bien qu'on prie. I think we all have a problem with this issue. Je pense que nous avons tous un problème à propos de ce sujet. I also have a problem with this issue. Moi aussi j'ai un problème avec ce sujet. I want us to come humbly before the Lord. J'aimerais bien qu'on vienne avec humilité devant le Seigneur. And ask the Lord to help us. Et qu'on demande au Seigneur de nous aider. Hallelujah. Amen. Hebrews chapter 12, verse 1. Hébreux 12, verset 1. It says, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. See, we have great witnesses. Nous avons une grande nuée de témoins. That we cannot see. Que nous ne voyons pas. They are clapping for you. C'est les gens qui t'applaudissent. I said they are clapping for Ils you. Ils sont en train de t'applaudir. They are saying yes. I wish you just keep going that Ils way. Ils disent oui, oui, continuez sur ce chemin. Keep serving God that Continue way. Continue à servir Dieu de telle façon. Each time you are turning around to the other side, they chaque keep... fois que tu tournes, ils disent non, they retourne. They shouldn't go there. They should come to non, the side. Ils doivent pas aller là-bas. Ils doivent retourner sur le bon chemin. There are cloud of witnesses. Il y a une grande nuée de témoins. Some of them are our parents who have left us. Et parmi eux se trouvent nos parents qui nous ont quittés depuis. I believe so strongly. Je crois vraiment vivement. They keep clapping, qui nous acclament de loin.
And finally, when we get to heaven, you see a great clap. Et finalement, arrivé aux cieux, tu vas recevoir ces acclamations. Hallelujah. Amen. Verse 3 says, let us fix our eyes on Jesus. Il dit au verset 2, ayant les regards sur Jésus. Fix your eyes on Jesus. Fix tes regards sur Jésus. Not on people. Pas sur les gens. Not on men. Pas sur les hommes. Fix your eyes on Jesus. Fix tes regards sur Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Consider him. Verse 3. Considère-lui. Considérez. Consider Jesus. Considérez Jésus. I want you to know that God will reward. God will reward you. Je voudrais bien que tu saches que Dieu va te récompenser. It may seem as if you are alone. Il peut paraître être seul. In the way you are going. Sur le chemin que tu prends. It may seem as if no one is coming with you. Tu peux penser que personne ne vient avec toi. But I want you to know that God will reward you. Mais je voudrais bien que vous sachiez que Dieu va vous récompenser. Amen. Deuteronomy chapter 26. Deutéronome chapitre verse 18. And the Lord has declared this day. Deuteronomy chapter 26 verse 18. Deutéronome 26 verset 18. He has declared this day that you are his people. Et aujourd'hui l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra. His treasured possession as he promised. Comme il te l'a dit. And that you are to keep all his commands. Et que tu observeras tous ses commandements. He has declared verse 19. Verset 19. That he will set you in praise. Afin qu'il te donne. He has declared that he will set you in praise. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Hallelujah. Amen. He will set you in praise, in fame and in honor, high above all the nations he has made. Mm-hmm. And that you will be his people holy to the Lord. Et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il l'a dit. As he has promised. Amen. He says he will set you where? High. High. The question is, will you allow God? Est-ce que tu vas laisser Dieu? Would you allow God? De te lever. To lift you up. De te lever. Would you allow God? Est-ce que tu vas laisser Dieu te lever? Would you allow God? Est-ce que tu laisseras Dieu faire ce travail? In fame? De te mettre là-haut. Would you allow God to provide for you? Est-ce que tu vas laisser Dieu pourvoir à tes besoins? Hallelujah. Amen. I want you to ask the Lord very quietly. Je voudrais bien que tu demandes. Ask the Lord, say, Lord, help me. Tu demandes au Seigneur. Give me the grace to be able to live this way. Tu dis, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir vivre de cette manière. Begin to ask him. Begin to ask him. Commence à lui demander la grâce de vivre de cette manière. Please give me the grace. Ah, Dieu, donne-moi la grâce de fixer mes yeux sur toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Oh, Father, aide-moi. Père, aide-moi. Lift up your voice, say, Father, help me. Aide-moi à chercher que tes acclamations. Oh Seigneur, aide-moi. That I would receive praise from you. Aide-moi que je reçoive les acclamations qui proviennent que May de toi. May I look forward to your praise. Ah, que je m'attends à avoir tes acclamations, May tes I look forward to your likes. Que je m'attends à avoir vraiment tes likes. May I not care. Que je laisse à côté. How undistinguished I am before men. Mon apparence devant les hommes. May I not care? Que ça n'est plus d'importance May pour I moi. Come out of this Aide-moi trying à, to à please sortir men. De cette histoire d'essayer de plaire aux hommes. Trying to win their praises. D'essayer de gagner leurs acclamations et le. Begin to ask the Lord. Begin to ask the Lord. Begin to ask the Lord. Seigneur, aide-moi d'éviter ce piège. Seigneur, aide-moi chaque fois de fixer mes yeux sur toi. Wanna be more like you. Oh Lord, I wanna be more like you. Oh yeah, I wanna be a vessel you work through. Oh Lord, I wanna be more like you. Oh Lord, oh Lord,
wanna be more like you. Oh yeah, oh Lord, I wanna be more like you. Oh yeah, I wanna be a vessel you work through. Oh Lord, I wanna be more like you. Father, may our lights bring you glory. Que nos vies t'apportent la gloire. May our lives be focused on you. Que nos vies soient fixées sur toi. May our efforts be to get your likes. Que nos efforts soient pour obtenir tes likes. May your likes be the most important thing to us. Que tes likes soient les choses les plus importantes pour nous. In the name of Jesus. Amen.